Hey, salut tout le monde, c'est Orenzia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais déjà avant tout, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous intéresse de retourner dans un environnement métallique? Oui? Ah bah très bien, très bien. Et bah allons sur Vaporum, c'est parti. Oui les amis, on est de nouveau sur Vaporum. Dans la vidéo précédente, il y avait quelque chose qui me chagrinait, tu vois. Je comprenais pas pourquoi on trouvait des livres de couleurs différentes. Et on trouvait 3 livres de chaque couleur. C'est-à-dire qu'on trouvait 3 livres rouges, 3 livres verts, 3 livres jaunes et 3 livres bleus. La raison, c'était quoi? Pourquoi on trouvait ces couleurs-là? Et il y a une chose qui me... Je sais pas, il y a quelque chose qui m'est arrivé, c'est que à chaque fois que tu trouvais des livres... Et ben, quand tu regardais l'espèce d'armoire murale, de petite boîte murale, où tu pouvais mettre des livres, t'avais comme un bruit de levier. Tu sais, c'est quelque chose qui n'allait pas là-dedans. Et je me suis dit, c'est bizarre, il y a 3 cases pour 3 livres. Comme je te dis, il y avait 3 livres rouges, 3 livres bleus, 3 livres jaunes et 3 livres verts. Bon. Et ben, il s'est avéré qu'il fallait les mettre. Mais les amis, on va voir ça en vidéo. Alors c'est parti. Salut les amis, voilà, on se retrouve encore sur Vaporum. Et donc là, on avait un espèce de casse-tête. Hein. Un espèce de casse-tête. Alors je suis mort, en toute franchise, bien 20 fois avant de découvrir la raison du casse-tête. Ouais. Alors il y a un truc derrière. Il y a un truc derrière cette porte, vous voyez. Là, il y a une porte, ici, là qu'on voit juste là, on ne voit rien derrière. Mais derrière, il y a une autre porte. Et j'ai pas voulu découvrir pendant que voilà, la vidéo ne tournait pas. Et je vais vous montrer comment faire. Alors, c'est très simple. Mince. Hop. Et voilà. Il y avait un bouton là. Et je suis mort, bien 20 fois. Bien 20 fois avant de... Il connaît cet endroit? Ah, je suis pas rentré dedans, hein. Je m'étais arrêté... Ah bah je peux pas vous montrer. Je m'étais arrêté vraiment juste devant. Alors, on va découvrir s'il y a un truc en sang. Qu'est-ce qu'il y a là? Il connaît l'endroit, c'est dingue. Il connaît l'endroit. Tiens, un bouton là. Ah, c'est la porte, ok. Il y a un bureau. Ah. Et donc, on a le 3e livre. D'accord. This is my first recording on a phono diary, and it's just about the best occasion too. D'accord. I'm a father. Never felt this happy before. My beloved Laura has given birth to Sophie, our little daughter. I feel a massive shift inside me, like my life will now gain a whole new dimension. This new responsibility is equal to the weight of all the fumatons in the whole of Arx Vaporum. Okay. And yet, bringing up a child still feels like a much more difficult task. I'm remembering something. The Arx Vaporum, citadel of steam. Oh mon Dieu, ma famille. Slowly coming back to me. I lived here. Ah, c'est lui. Worked here. My God, had a family. D'accord, donc lui, il vient bien de. My daughter, Sophie. I have to find them. D'accord, donc le gars qu'on dirige vient bien de, donc de cette citadelle en pleine mer, d'accord. Alors attends, qu'on soit bien d'accord, donc là il y avait ça, il y avait... Non, là c'est là où il y a le... Non, ça c'est pas ça. Donc il y avait cet endroit-là à ouvrir, alors l'ouvrir comment? Ah oui, il y avait cet endroit-là aussi, qu'on n'a pas découvert, d'accord. Alors attends, que je me trompe pas, hein. Alors, on est bien d'accord. Ok, alors attends, il y a des trucs, c'est quoi ça? Mais non. Documentaliste en chef, section idéologie du bureau. Section idéologie du bureau. Section fiction. Attends. Infobulle.
élémentaire, bureau suprême, section fiction, fiction science et ingénierie débutant, avancée, intermédiaire, avancée, intermédiaire, science et ingénierie avancée. Je te le dis qu'ils font qu'il y a un truc à faire là-dedans dans les pièces, tu vois. Fiction. Fiction. Fiction physique élémentaire. Fiction physique élémentaire, non. Bureau du suprême, non. Élémentaire. Alors on a bureau suprême, élémentaire, ingénierie. Je dirais plutôt ingénierie, avancée, débutant. Avancée et intermédiaire, intermédiaire, avancée. Non, tu vois, c'est bizarre, ça correspond complètement. Ah, on n'a pas plus d'infos que ça, hein, c'est bizarre, les amis, c'est bizarre. D'accord, alors attends. On va essayer de revenir sur nos pas. Ah non, mais c'est chiant, on comprend rien là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, tu vois, c'est pas normal. Il y a un truc à faire, hein, il y a un truc à faire pour ouvrir cette satanée porte qui est justement ici même. Voilà. Il y a un bouton là, hein, il est juste là, hein, mais on peut pas appuyer dessus. D'accord, donc là c'est là d'où on vient. Voilà, cette fameuse porte ici qui est fermée, on est bien d'accord, hein. Elle est fermée. Mais elle est fermée pour quelle raison? Elle est fermée, fermée de chez fermée. Et là, il n'y a rien du tout. Tu vois, je me serais dit, s'il y a un téléporteur, tu vois, peut-être. Peut-être. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Je vois pas du tout comment. Non, c'est le pistolet, ça, on s'en fiche un peu. Ben, je vois. Ben, sérieux, je comprends. Mais alors, pas du tout, du tout. Il y a une porte ici, mais alors attends, la porte, d'où est-ce qu'elle peut. Je sais pas du tout, hein. Je suis un peu perdu, tu vois. Pour être franc. Ah non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ah, je te dis, il y a un truc à faire avec les livres. Il y a un truc à faire, j'en suis sûr. Attends, ils sont où les livres? Ils sont plus haut. Faut que je revienne un peu plus loin. Ah, j'en suis sûr qu'il y a un truc à faire avec les livres. C'est pas ça là? Non, c'est pas là. C'est où les livres? C'est en haut. Ah, j'en avais stocké justement parce que j'avais plus de place. Je suis presque sûr que c'est ça. Fais voir. Section idéologie du bureau. Section idéologie du bureau. Section idéologie du bureau. Section idéologie du bureau. Je sais pas si c'est ça. Hein. Je sais pas. Section idéologie du bureau. Section idéologie, ouais, c'est. Attends, si c'est section idéologie. Je sais qu'il y a quatre pièces. On a quatre sortes de livres. Ça peut pas être une coïncidence. Fiction. Fiction, je dirais. Je dirais Solaris. Ouais, tu vois. 20 000 lieues sous les mers, c'est de la fiction, tu vois. Je sais pas. Tu vois, il y a un mécanisme quand tu les mets dedans, ça fait un bruit. Tant que je te dise pas de bêtises. Parle ou pas?
passe par là. Là, je trouve ça bizarre aussi, tu vois. C'est pas normal, normal. Je sais qu'il y a d'autres pièces. Alors attends, les autres pièces sont plus haut. Allez, laisse-moi passer, laisse-moi passer. Je crois qu'ils sont ici, voilà. Merde. Section ingénierie. Ingénierie et physique, bah tu vois. Alors attends. On a physique, tu vois, physique. J'en sais rien, je sais pas si c'est ça, les amis, je sais pas du tout. Mais c'est assez particulier parce que tu peux pas te permettre de faire un faux pas parce que t'as pas, enfin, il n'y a pas de solution à proprement parler. Je suppose. Là, c'est des tests en fait, tu vois. Débutant, intermédiaire. Tiens. I always knew these Non, il y avait une autre pièce derrière. Librarians were a secretive J'ai bunch, toujours but pensé que this c'était is du quite jour the secret, mais c'est un mechanism. sacré mécanisme. Waouh. C'est quoi cette porte? Ah, d'accord. Voilà, porte. Non, mais c'est encore plus grand que je le pensais. La petite sauvegarde. Voilà. Alors, on a plein de choses à explorer, là, les amis. Ok, ça, c'est juste une fermeture de porte. Voilà, c'est grand. C'est grand. Mais. C'est quoi ça? Ah, d'accord, en fait, ils sont quasi tout reliés. Ouais, d'accord. Bon, bah écoute, c'est pas rien, c'est bien. Donc là, il y en a un autre truc là, un autre mécanisme. Donc là, c'est super grand. Il y a quoi? Est-ce que. Attends, il y a un autre passage ici. Je sais pas, c'est là qu'on vient? Ouais, je sais même plus, il y a tout. Ouais, oui, c'est là qu'on vient. Donc là, il y a une porte à gauche, tout à gauche, on va aller. Là, il y a une porte là. Celle-là, d'accord. Il n'y a rien pour ouvrir ou pas? Non, on peut pas l'ouvrir. C'est rouge, c'est marqué. C'est ici. C'est pas assez flagrant le rouge partout. Donc là, attends. Ah, il n'y a rien. J'en viens ou pas d'ici? Apparemment, je viens ici aussi. Bah oui, c'est sûr. Voilà. Donc en fait, toutes les pièces sont reliées. Il n'y a plus qu'en face. Alors en face, on va faire un petit tour quand même, au cas où, si on a oublié. Là, c'était là, on avait vu. Voilà, il n'y avait rien. Parfait. Tout ça pour ça, en fait, juste pour avoir. C'est. Ah mince! Allez! Bien joué! Oui, il y a une inde, là. Il y a du monde, là. Et je vais faire aussi un petit sympathique. Voilà. Voilà, ça fait plus mal, ça. Il veut pas venir, là. Allez! Voilà. Donc là, ça a servi à quoi, tu m'expliques? Donc là, il y a un truc. Ok, il y a des balles, ça c'est très bien, les balles. Là, ah, si, ça a rouvert quelque chose. Des balles aussi. Par contre, ça n'a pas ouvert la porte principale. Ah, j'en étais sûr qu'ils allaient refermer la porte. D'accord. Sauvegarde de nouveau. Où est-ce qu'on est, les amis, là? Alors, attention. D'accord. Ah, de nouveau un casse-tête. De nouveau un casse-tête. Alors, oui. Non, tu peux pas le tirer celui-là. Lui, tu peux le tirer par contre. Si je fais ça. Alors, attends. Je pourrais pas. Si, c'est bon.
Voilà, parfait. Et on peut le pousser. Voilà. Génial. C'est parti maintenant. Hop. Alors ça, c'est pas cool du tout. Il y a une dame ou quoi? Ah là 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 là. Ah, ils aiment nous envoyer des petites bêtes, hein. Viens, toi, viens. Salut. C'est vrai que l'ambidextrie ça sert hein, parce que tu vois, regarde, je fais pas énormément de dégâts, mais voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Ciao, bye bye. Donc là, on peut passer ou pas? Ouais, normalement, on peut passer. C'est ouvert, c'est bien. Re-sauvegarde toujours. Pensez à bien sauvegarder lorsque vous faites ce jeu, parce que c'est vraiment à double tranchant, tu vois. Ah. Comme quoi, c'est pas bien de fouiller, c'est pas bien les amis, il faut pas fouiller dans la vie. Pas se mêler des choses qui nous regardent pas. Et de nouveau une nouvelle porte. C'est grand, c'est très très grand en fait. Les maps sont vraiment très grands. Une clé de fumier. Alors c'est quoi ça? Provision pour les squelettes de combat? Non. Les exosquelettes de combat. Aussi une clé de phonium. Donc il y a combien de clés de phonium là-dedans là? Trois! Il nous demande trois clés. Là, il y a un autre passage là. Tu vas faire celui-là, il a l'air plus sympa. Ah! C'est l'ascenseur ça. C'est l'ascenseur, c'est bien ce que je dis. Je vais pas prendre l'ascenseur tout de suite. On va essayer de découvrir quand même, tu vois, les étages. Ce serait dommage. Imagine, il y a des bons trucs là-dedans, là, dans les coffres que j'ai vus. Alors attends, qu'on mâche pas sur une dalle qu'il faut pas, ou je ne sais quoi. Ah! Attends, il y a des trucs sur les côtés. D'accord, 4, 5. 5, pourquoi? 5. Ah, d'accord. Pourquoi c'est. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé là? Je m'explique? C'est quoi le but là du test? Attends. Il faut peut-être les. Ouais, peut-être les empêcher, je sais pas. Sais pas. Ça serait bon, ça, c'est pas mal, ça. Ah, à deux, qu'est-ce que tu veux que je fasse à deux? Deux en même temps. Ah ouais, j'ai rien compris. Bon, attends, on va tenter peut-être ça, hein. Peut-être ce que j'ai fait, hein. Les empêcher, justement, de toucher le... Je reste au milieu, au cas où. Là, il y en a deux normalement qui arrivent. Comment tu veux que je fasse deux? Ah, moins peut-être qu'en tirant. Je sais pas, en tirant dessus, non? Qu'est-ce que je sais pas du tout, hein. Je dis ça, je dis rien, mais. Attends, faut que je sois sûr de moi. Faut que l'autre est bien là. Ah, on dirait. Je sais pas du tout, hein. On va tester là, justement là.
C'est vraiment, vraiment dommage. Il y avait un truc sympa. Je sais pas du tout si c'est ça. Mince, je me suis trompé de bouton. ouais, d'accord. C'est quand même particulier, ça. D'accord. À moins que... Il y a un truc à faire là, non, il y a rien du tout à faire là. C'est bizarre. Il y a des trucs à prendre. Il y a des trucs à prendre, mais tu sais pas quoi. Tu sais pas comment faire pour les avoir. Là, on a le fameux escalier, enfin l'ascenseur plutôt. Mais bizarre. Pourquoi il y a... C'est pas possible. Attends. Est-ce que ça voudrait dire que... Est-ce qu'il faudrait... C'est pas possible. Attends, on va regarder un truc. Non, c'est pas possible. Non, il demanderait pas de... Non. Bah non. Je pense pas, non. Si, tu penses? Non, attends. Où c'est qu'on est là? Où c'est qu'on est là? On est là. Tu penses qu'il demanderait? Ah, possible. De toute façon, c'est... Oh là. Je sais pas, j'en sais rien. Avec eux, de toute façon, et leur truc tordu, là. Voilà, c'est... Non. Il y en a, je te dis. C'est possible, hein, les gars. C'est vraiment possible. Alors, attends. Là, si je pousse, tac. Ouais, c'est possible. Hein. Alors, on va regarder ça. Hop. Alors, ok. Alors, attends. Déjà, on va le faire... Hop. Mais non, c'est pas bon. Bah non, c'est pas bon. Bah, je peux pas le faire venir là, donc non, c'est pas bon. Donc c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ah, moins que... Attends. Quand je suis au milieu, attends, ça c'est peut-être pour quand je suis au milieu, c'est justement pour le mettre peut-être, tu vois, je sais pas. Hein. Ah non, bon, c'est pour que ça s'ouvre, il faut que ça touche, tu vois. Attends, on va regarder un truc puisque c'est pas normal. Hein. Tu vois, ça le touche bien là. Ah, ça s'est arrêté, donc ouais, faut pas que ça le touche, tu vois. Faut pas que ça le touche du tout. Alors on va essayer de tenter avec le... Là, ça ne l'a pas touché. Là, ça l'a touché, mince. Faut être plus vif. Donc là, c'est celui-là. C'est bon. Et là, c'est les deux. Voilà. Et là, c'est bon. Voilà. Génial. Alors, on fait quoi maintenant? J'ai rien pigé. Non, je crois que c'est là. On est bien d'accord. Donc là, 2, là c'est là. Mince. Ah.
Donc faut qu'on commence. C'est un truc à prendre le coup, tu vois. Celui-là. Là. Ok, là c'est l'autre bout. Génial, là c'est les deux. Voilà. Non, donc là c'est les deux. Et après il y a un temps où il n'y a rien. Et je me demande s'il faut pas bouger la boîte. Regarde. Tu vois? J'ai pas vu les deux. Je me dis qu'il faut bouger la boîte. Alors vas-y, on va essayer de revoir le timing. Ou alors faut mettre justement la boîte au milieu. On va regarder correctement. Là, c'est celui-là. Là, c'est d'accord. Et là, normalement, on a les deux. Tu vois? Ok. Je vais mettre la boîte au milieu. Ça va être plus pénible, hein, mais. Ça va se faire. Ok. Je sais plus c'est lequel, c'est assis au bout. Voilà. Là, normalement, c'est celle-là. C'est ça. Là, on a les deux. Donc là, je me mets là. C'est parfait. Et là, c'est tout au bout, maintenant. Parfait. C'est laquelle après? Est-ce que c'est fini? C'était pas fini, hein. Ah, ils ont abusé. Ah, ils ont vraiment abusé sur ce coup-là. Le timing, il faut qu'il soit juste ignoble. Après, je sais plus, attends. Voilà. Je crois que c'est là. Voilà. Attends, est-ce que j'ai le temps? Allez! Oh mince! C'est vraiment juste, quoi. C'est juste horrible, ça. Tamine, elle a mort moi le nœud, là. Là, je te jure, c'est super chaud, ça. Ouais, je réessaye encore une fois, sinon, ça, si ça me saoule, je m'en vais. Donc là, je sais plus, après, c'est quoi? Ah oui, c'est ça. Voilà. Hop. Allez, vite. Vite, vite, vite. Ah, ça, c'est bon. Après. On a géré. Ça y est. Ouh. Comment ça, qu'une clé? Il me demande trois clés de fomium, là. Non, l'arnaque. Bon. Par choisir. Provision pour exosquelette de combat. Provision pour exosquelette. Thaumaturgie. Ah oui, d'accord. Alors moi, j'ai quoi déjà? Je sais plus, moi. Ouais, bah c'est un exosquelette de combat. Alors, exosquelette de combat. D'accord, bah écoute, très bien.
I need a key. Ah, hop. On n'aura pas les trois. Ah, ouh, bah, bien sûr qu'on prend tout. Donc là, c'est quoi ça? Tu vois, c'est capacité de combat. D'accord. Bah, on prend. Ça, c'est quoi ça? D'accord. D'accord, d'accord. Bon, bah, voilà. Pas mal. Donc là, le truc à faire, c'est que. Vu qu'on a fait ça, bah, il nous reste. Bah, plus rien à faire en fait. Donc il n'y a plus qu'à prendre le. Ouais, ouais, on va prendre l'ascenseur qui est juste ici. Non, là, ici, voilà. Voilà, il est là. Et puis bah on change de niveau. Ah, on a enfin fini ce niveau. Les niveaux, ils sont généralement, ils sont pas super longs. Mais. Mais, franchement, ce niveau-là, il avait des énigmes vachement tordues, quoi. Ouais, franchement, c'était. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir si ce nouveau niveau est un peu plus cool. Généralement, non. Mais. Ah. L'énigme de fer. C'est jamais très bon, ça. Jamais très très bon. On a. Qu'est-ce que c'est, ça? Régulière. Masse régulière, d'accord, ouais. Ouais. J'ai du même nombre de dégâts que les miennes. C'était chaud, hein? Ah, ça descend à une vitesse. Putain, si on pouvait par exemple. Attends. Si je pouvais par exemple. Attends. Ça serait bien que. Voilà, que je fasse ça. Là, je te le dis tout de suite, là, une petite truc pour se régénérer, c'est pas mal. Donc là, c'est quoi ce Beans là? C'est quoi? L'autre, il a des lasers permanents et il bouge pas. Ah, on va essayer de casser les caisses en même temps. D'accord. Ah, d'accord. J'allais dire non, ceux-là, ils veulent pas. Ils veulent pas du tout se faire casser. Ah, mais attends, mais c'est quoi ça, tout ça? C'est quoi tout ça? Ah, il y a un levier. Bah non, ça c'est des... ça c'est une très mauvaise idée, ça, c'était une très mauvaise idée, les amis, c'était... Non. En plus, oh non. Oh là là. Oh. Mince. Ah. Niveau suivant, ça c'est bien, c'est très très bien, niveau suivant, par contre... C'est, on va juste en chier un peu, quoi. On va se faire comme ça. C'est chaud, hein, mais... voilà. Ouh. Ça fait du bien quand c'est passé. Ok, donc là... Là, on a une super belle arène de combat, mais... Mais horrible, quoi.
Celle-là, on ne peut pas le déplacer. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial quand ça se passe comme ça. Donc là, il y a un levier. Est-ce que de l'autre côté, il y a un levier? Non, il n'y a pas de levier. Mais ça a libéré deux espèces de petites saletés avec un levier ici, quand même, par contre. On a trouvé un nouveau levier. Donc voilà, ça a baissé le... On peut avancer un petit peu. Ouais. Évidemment. Il a carrément un fusil à pompe greffé sur son petit corps. Son petit corps de robot. Ah, par contre, tout se ressemble. Hein. C'est juste horrible. Donc là, est-ce qu'on a tout fait? On a tout vu? Ouais, d'accord. Pour l'instant, on a tout vu. On a fait le tour de l'endroit où on est arrivé. Donc là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Hop là, ah, il y a une bête. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Je préfère ces bêtes-là, tu vois, que celles au laser. Ouais. Ouais, c'est ça. Tiens, hop. Prends un coup de là-dedans. Donc là, il y a une porte fermée. On est bien d'accord, il y a une porte fermée. C'est quoi ça? Ça demande un mécanisme. Quel mécanisme ça demande? C'est quoi ça? Porte blindée niveau 2, enfin numéro 2 plutôt. D'accord, donc là c'est très mécanique. Très très mécanique. Parce que attends, si je... Évidemment. Je devrais probablement garder ça, je suis complètement d'accord. On sait jamais, on va le garder sur nous si on a besoin d'ouvrir une porte. Ce serait idiot de... Comme là par exemple, je suis sûr que la porte va se refermer malheureusement pour nous. Qu'est-ce que j'ai... Ah bah tiens. Ah toi t'es du genre comme ça toi. Ah, ils sont deux, d'accord. Tiens, mange ça, toi, mon dieu. L'autre, il est derrière moi en train de me frapper. Je m'occupe plus de celui-là, voilà. Puisque je peux pas les taper, voilà. Voilà, allez, hop. Voilà, et là. Ah non, ça passe pas. Donc je vais rester sur le même registre, je vais te dire. Voilà. Des balles, ça c'est bien. Les balles, on a super besoin à chaque fois. Des balles, c'est dingue. Donc là, voilà. Balles aussi. Donc on est une porte fermée, d'accord. Il y a un petit passage ici qui te permet de voir l'autre côté, ça c'est bien, ouais, avec un petit levier aussi. Ça ouvre la porte, très bien. Très très bien. Là on continue notre exploration. D'accord. Il y a des portes, enfin des portes, non, c'est pas des portes. Des... Hop là, non. Ah, ça, je l'ai vu au dernier moment. Je l'ai vu au dernier moment. Ah, mince. Allez, ça a rien fait. Voilà. Allez, il me saoule. Car 80 quand même, hein, je fais avec notre petit pistolet. Enfin, par moment, pas tout le temps. Voilà. Hop. Est-ce que l'autre, il m'a laissé un sac? Il m'a même pas laissé de sac. Ah, le salopard. Donc là, on avait dit, il y avait... Ah, voilà. Le levier pour ouvrir la fameuse porte. Voilà, on s'en va. C'était par là. Attention qu'on se fasse pas avoir de nouveau. Là, c'est... Voilà. Ça a ouvert la porte. Enfin, la trappe, elle s'est fermée. Mais pourquoi, quand je suis mort, je suis tombé, alors? Tu m'expliques? J'ai appuyé, je sais même plus si j'ai appuyé sur la trappe. Je te le dis, hein, je sais plus. Je sais plus, les amis, je sais plus. Qu'est-ce que je passe? Faire attention, maintenant. Là, il y a une trappe. On va passer par là. Faut regarder, hein, faut regarder partout.
Tu donnes une clé, d'accord. C'est vraiment très 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 sombre. C'est quoi ça? Si je pousse, je vois pas du tout ce qu'il y a là. Je crois qu'il y a un gars. Ah non, c'est même pas un gars. Oui, enfin ça va. Allez. Oui, ça c'est pas grave ça. Voilà, ça c'est fait. Il y a une porte de nouveau ici. C'est les portes, c'est. Fais voir. Ah, arrête de bouger. D'accord, donc là je peux rien faire en fait. Non, je peux rien faire. Malheureusement, je peux rien faire. Peut-être que ça m'a coincé, je sais pas du tout. C'est quoi ça? 106. Ouh, c'est beau ça. Hop. Viens toi. Ça c'est rien, ça c'est tout petit, ça c'est tout petit et tout mignon. Voilà. Il y en a un. Ah. Ah, ils viennent toujours à plusieurs. C'est des petites saletés ça. Hop, voilà, on a réussi. Et là, on a plein de choses à découvrir. Plein de portes. Il y a encore de nouvelles portes. On a une porte ici. Ah, tiens. Ça, bon, ça sert, c'est vrai. Bah, pas tout de suite. Pour l'instant, ça sert pas énormément tout de suite. Puisque on arrive à assez bien gérer le jeu. Ça, je suis assez content. On va faire le tour de la pièce, quand même. Il y a une porte ouverte. D'accord. Il y a des... Bah, ce jeu, c'est des portes partout. Des portes, des portes, des portes. Bah, c'est pas pire qu'à certains jeux. Hein. Ceux qui ne connaissent pas The Lost Child, eh ben, ils savent pas ce que c'est d'avoir des portes partout. Donc là, hop. Non, bah écoute, il y a qu'en face, mais la porte est fermée. D'accord. Et cette fameuse porte-là. Ah oui, mais tout est fermé en fait. Ok. Si je reviens, d'accord, là je peux pas, là je peux pas. Ok, donc là il y a un truc quelque part. Enfin, trouver ça. Trouver le... Ah, tiens. Est-ce que c'est cette fameuse porte là? Je sais pas du tout. Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord. Il y a du qui se... Ah d'accord. Ouf. Vite. Ils viennent d'où eux? Oula. Ah ouais, c'est vrai que lui il fait mal. Ah oui, lui il fait super mal. Ça, il fait ça, c'est pas bien grave ça. Vas-y. Ça va, ça va. Il en reste un. Je l'ai tué? Ah bah d'accord, je l'ai tué. Donc ça, celui-là, je l'avais vu. Ah voilà, il y a un autre coffre, très bien. Hop, ça c'est génial. Ah non. J'ai vu le laser. Qui va venir ici? Ouais, il vient. Vas-y, trop tard, je suis coincé. Fou. Allez, on les affronte. Voilà, parfait. Des balles. Toujours des balles. Et voilà. On a pu ouvrir. Alors attends, tac. Pourquoi ça affecte seulement une faible population? Plus petits, ils ont tendance à développer une carbonie devant, ils sont d'accord. Voilà. Ah, me demandez pas ce que ça ouvre. J'imagine que ça peut ouvrir que l'un des deux. Eh non, ça ouvre autre chose que ça, évidemment. C'est moi ou c'est... Ils se sont tirés dessus. Allez, viens.
Waouh, 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 il est balèze. Je crois que je vais faire un truc style ça, tu vois. Prends des balles, prends des balles. Il est balèze. Ah, donc on va continuer à faire ça. Et il est vachement balèze celui-là. Allez. Voilà. J'ai une clé, très bien. Ah, il me saoule, hein. Voilà. Ouh, voilà. Bon bah les amis, ça y est, on peut sortir. Donc ils viennent de où c'est tout ça, toutes ces bestioles là. Enfin, on saura pas ça maintenant, c'est pas la peine de chercher. Ce que je peux faire les amis, c'est que je vous invite, oui, je vous invite parfaitement à me retrouver dans la prochaine vidéo sur Vaporum et on en saura un petit peu plus les amis. Oui, je vous promets, on en saura un petit peu plus. Allez, on se retrouve très bientôt. Mais avant ça, à tout de suite les amis. À tout de suite. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du jeu, surtout toi qui regardes. Oui, moi franchement, j'apprécie beaucoup ce jeu-là. Malgré qu'il y a quand même de sacrées bonnes énigmes. Hein, des gros casse-têtes bien prises de tête. Alors, tu vas me dire, il y en a qui sont simples. C'est vrai. Mais il y en a d'autres qui sont super retors, tu vois. T'as bien vu comme là, la fin, là où il y avait les espèces de boules lumineuses qui ne doivent pas toucher justement leur point d'impact et que tu dois te mettre devant pour les intercepter, tu vois, style un gardien de but. Hey, sérieusement, c'est... Des fois, il fallait avoir l'œil partout, tu vois, il faut vraiment être sur le qui-vive. Et c'est, franchement, c'était quand même une bonne énigme. Moi, j'ai bien aimé quand même. Et on a pu avoir un boost pour notre fameuse armure qui est pas mal. Et vous avez pu voir, on a pu passer un niveau. Ce niveau-là est rempli alors, exclusivement d'ennemis. Les ennemis, ils ont pullé, il y en avait partout. T'as vu dans la pièce, là, juste avant qu'on arrête? Et donc, après, je me suis mis juste devant la serrure qu'on ira voir, qu'on mettra la clé dedans dans la prochaine vidéo, évidemment. Et on ira voir ce qui se passe derrière cette porte. Il y a une porte, il faut qu'on sache qu'il y a. Donc là, on a fait un bon petit paquet, petit paquet de salles. On a bien avancé dans ce nouveau niveau. Et je pense que par la suite, je sais pas, hein, je connais pas le jeu du tout, hein, je le découvre en même temps que vous. Je pense qu'on va découvrir pas mal d'ennemis. T'as vu le nombre d'ennemis qui est arrivé? Et la première lettre, les premiers feuillets que tu trouves, et que j'ai pu lire et qu'on a vu ensemble, il parle d'un ennemi colossal. Hein. Il parle d'une espèce de gros cafard là, qu'on a vu justement, qu'on a affronté, des gros. Alors, est-ce qu'il y en a des plus gros? Je sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'ils sont super résistants et super balèzes. Enfin les amis, tout ça pour dire hein, qu'on se retrouve très bientôt, dans une prochaine vidéo sur Vaporum. Alors soyez prêts les amis, mettez votre combinaison, et on se retrouve très bientôt. Allez, à bientôt, ciao.